Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Téléfoot consacré à la 39e journée du championnat. Une fin de championnat qui s'approche avec un suspense toujours de plus en plus important entre les clubs du haut de tableau et le bas de tableau également. Alors, au programme ce soir, Monaco, le leader qui a 2 points d'avance sur Bordeaux, se déplaçait à Metz. Bordeaux lui recevait Sochaux. Marseille, lui, qui n'est plus dans la course au titre, battu par Monaco la semaine dernière, recevait Tours. Tours qui pouvait malheureusement, en cas de défaite, être relégué en Division 2 selon les résultats. Le Paris Saint-Germain, quatrième à la lutte avec Nantes, à égalité de points entre les deux équipes. Le PSG se déplaçait à Auxerre et Nantes recevait Montpellier, sixième. Montpellier qui est à 1 point de Nantes. Beaucoup de matchs très importants, beaucoup d'enjeux. Et nous allons donc suivre les résumés de ces matchs. Et en fin d'émission, restez avec nous, puisque nous suivrons l'épreuve des pré-barrages entre le Stade Rennais et le Havre. Mais on commence avec les matchs de première division, et on commence avec le leader Monaco qui se déplaçait à Metz. Après avoir brillamment écarté l'Olympique de Marseille de son chemin la semaine dernière, et avoir repris 1 point de plus sur Bordeaux, en se déplaçant à Metz, Monaco n'a pas le choix, il faut continuer de l'emporter pour s'approcher du titre. Et effectivement, une première mi-temps qui va être légèrement à l'avantage des Messins. On va le voir, Zappia, Pokande, qui sert Kurbos. C'est très bien joué dans le dos de Puel. Il frappe, mais Tori est sur la trajectoire du ballon. Une équipe de Monaco en première mi-temps qui va être assez discrète, laissant le jeu aux Messins. Là, c'est Plamen Markov qui sert Kurbos, encore lui. Puel revient bien et oblige l'attaquant messin a frappé de loin, mais Tori est encore sur la trajectoire du ballon. Mais on l'a dit, Monaco laisse le jeu et se contente de placer des contres. Et là, c'est Bellone qui récupère le ballon. Il perfore la défense messine et tente sa chance de loin. Premier avertissement pour les Messins. Et Monaco, juste avant la mi-temps, va mettre la machine en route, comme on dit. Et sur une récupération de Puel pour Bellone, il est d'abord contré. Mais ensuite Bijota récupère et redonne à Bellone. Atlet joue avec Amoros. Atlet, on conserve bien le ballon. On a décalé Barberis dans le dos de Kassendoch, un peu court, et ça fait 1-0 pour Monaco. Monaco très discret jusqu'ici, qui a su être efficace juste avant la mi-temps. Et ça fait 1-0. Et par contre, la seconde période sera nettement à l'avantage des Monégasques, qui vont avoir les occasions les plus franches et la monopolisation du jeu. Là, c'est Bellone qui veut centrer, mais ni Edström ni Atlet ne peuvent récupérer ce ballon de la tête. Ils avaient plongé tous les deux. Côté Messin, il y aura une grosse occasion juste avant l'heure de jeu. Jean-Philippe Rohr qui sert Tony Kurbos. Il frappe et superbe arrêt des Tori. Un ballon qui effleure aussi la transversale, mais ensuite ça finit dans les gants du gardien Monégas. Ce sera l'occasion la plus franche des Messins. On l'a dit, qu'ils vont subir cette deuxième période. Monaco a quand même eu chaud. Et Monaco a eu beaucoup de situations en seconde période. Ralf Edström là, qui file au but, et il faut un retour de Zappia. Très bon tacle du défenseur Messin. Monaco fait parler sa supériorité. Beaucoup de situations, beaucoup de monopolisation de jeu. Là, c'est encore Barberis qui veut centrer pour Atlet, mais ne trouve pas preneur. Les Messins ont beaucoup de mal à exister dans cette seconde période. Monaco qui aimerait bien inscrire un deuxième but pour se mettre définitivement à l'abri. Amoros, Atlet, on ne trouve pas Barberis dans un premier temps, mais finalement c'est redonné à Edström, mais Michel Etor s'empare du ballon. Pas d'occasion vraiment dangereuse, mais Monaco qui a privé tout simplement le FC Metz de ballon en seconde période. Là, c'est Odol pour Edström. Marcel Dib qui rentre dans la surface de réparation. Il élimine 2 joueurs messins. Il centre, mais finalement on se dégage comme on peut. Monaco ne sera pas inquiété en seconde période et va s'imposer 1-0. Là, il y aura un dernier centre de Dib envoyé par la défense messine, mais Bijota récupère le ballon, joue en soutien avec Odol pour Bijota. Ça joue bien, les messins sont un peu dépassés. Barberis qui veut centrer pour Edström, mais ça passe juste au-dessus. Score final 1-0 et Monaco qui s'approche de plus en plus du titre de champion de France. Bordeaux, lui, n'a plus le choix.
Il faut gagner les 4 dernières rencontres du championnat et espérer un faux pas de Monaco pour être champion. Mais on le rappelle, le mince espoir des Bordelais, c'est d'avoir un goal average supérieur avec 3 buts supplémentaires. Et côté Bordelais, on aura quand même du mal à emballer cette rencontre en première mi-temps. Il ne se passera pas grand-chose face à une équipe sochalienne très bien regroupée. 32e minute, long ballon, et là ça ne donne rien. Petit cafouillage dans la surface, mais les Sochaliens arrivent à s'en sortir. Il faudra attendre la seconde période pour voir les Bordelais se mettre en action. Dieter Müller, Tigana, centre en profondeur, une tête de Vujovic, c'était bien joué. Les Rustes doivent s'employer. Corner d'Alain Giresse juste avant l'heure de jeu, et Marius Trésor qui était monté aux avant-postes mais qui laisse ballon au-dessus. Domination bordelaise maintenant, mais toujours pas de but. Et Alain Giresse va se mettre en action pour Lacombe, qui joue avec Tigana, qui joue avec Lacombe. Il est d'abord contré, mais il récupère le ballon, et Giresse qui traîne là. 1-0. Mésentente hein, dans la défense sochalienne au départ de l'action, et ça fait 1-0. Bordeaux qui commençait à douter dans cette rencontre, qui n'arrivait pas à prendre la mesure des Sochaliens. Mais ensuite ce but va libérer les Bordelais, puisque Tigana là va servir Vujovic. Il arrive devant Rust qui s'interpose, c'est bien joué. Mais Touvenel remet ce ballon pour Müller qui donne en pivot à Giresse. 2-0, le break est fait. Bordeaux, on l'aura compris, va donc s'imposer. Et c'est toujours le mano à mano, il reste à 2 points de Monaco. Un succès mérité pour Bordeaux, mais qui est quand même très très long à se dessiner. Là, il y aura une frappe de Stéphane Paille contrée. René Girard qui rate un peu sa relance. C'est récupéré à Adi Bejic. Anziani pour Gengini qui frappe de loin, mais ça n'inquiète pas Dominique Dropsy. Et Bordeaux s'impose logiquement 2-0. Marseille reçoit la lanterne rouge Tours. Les Marseillais balayés à Monaco la semaine dernière doivent maintenant faire le deuil du titre. Mais attention, ils doivent conserver leur troisième place qui est menacée par le PSG et par Nantes. Et côté Olympien, on va dominer ce début de rencontre. Là, c'est une tête de Papin mais qui passe à côté. Et les Tourangeaux, eux, qui jouent gros, parce qu'en cas de défaite, ils pouvaient être relégués dès ce soir. Et là, c'est Dimeco. Il joue avec Coé, Dimeco pour Papin, qui file dans le dos des défenseurs, et un bon retour là. Finalement, c'est perdu, et Alops qui met ce ballon juste à côté. Et on va le voir que Jean-Pierre Papin ne sera pas vraiment en réussite dans cette rencontre. Dégagement de Desrousseau. Marseille qui domine, mais c'est un peu brouillon pour l'instant. Benoît Coé qui file aux avant-postes. Il a vu Papin, c'est bien joué. Mais là, il vient buter sur Desrousseau, mais Siskovic lui a suivi. Et au 20 mètres, vient ouvrir le score 1-0. Dommage car le gardien Tourangeau avait été décisif sur ce coup-là. On va le voir, un gardien du FC Tours qui a fait un excellent match hier soir. Malheureusement, trop souvent livré à lui-même. Coé juste après la demi-heure de jeu pour Diallo. Il élimine facilement Simondi. Il rentre dans la surface de réparation. Il veut centrer pour Papin, mais ça ne donne rien. 1-0 pour l'OM, on se dirige tranquillement vers la mi-temps. Et là, on va assister à un coup de théâtre sur la seule occasion tourangelle du match d'ailleurs. Delionis, regardez, il profite d'une erreur de Galtier, un temps d'hésitation, il élimine Forster et il vient servir comme à la parade d'Afonseca. Ça fait un partout. Stupeur au stade Vélodrome. Le FC Tours, lanterne rouge, et sur sa seule occasion, vient égaliser. Et toujours cette même fragilité défensive de l'OM. En seconde période, Marseille va reprendre sa domination. Papin au coup franc, mais ce n'est pas cadré. Beaucoup de situations côté de l'OM, mais toujours pas de but. Là, c'est Coé, 55e minute. En deux temps, il sert Jean-Pierre Papin. Cette fois-ci, il file au but. On pense qu'il va marquer, mais Desrousseau, encore impérial, s'impose. Et on l'a dit hier soir, Jean-Pierre Papin, qui n'était pas en réussite, ça arrive. Mais il y a d'autres individualités. Là, c'est Diallo qui passe un peu en revue la défense. Il sert Siskovic qui file au but. Il va plus vite que Furlan. Et encore Desrousseau qui vient s'interposer décidément.
Les Marseillais qui commencent à se poser beaucoup de questions, qui n'arrivent pas à prendre la mesure de la lanterne rouge. Papin, Sliskovic. Là, il file au but encore une fois. Il arrive tout seul et cette fois-ci, il élimine Desrousseaux et vient délivrer le Stade Vélodrome. 2-1 pour Marseille. Succès certes mérité, mais étriqué vraiment. Marseille qui hier soir a eu toutes les peines du monde à être efficace sur le plan offensif. Sliskovic qui servira encore Papin à 10 minutes de la fin et encore tout seul face à Desrousseaux et encore un duel perdu. On l'a dit, Papin n'était pas en réussite hier soir. Marseille qui aurait dû s'imposer sur un score beaucoup plus lourd, mais voilà. Le gardien Tourangeau qui va encore claquer un ballon de Papin ici a retardé l'échéance et Marseille a été quand même assez maladroit hier soir. Il y aura un dernier coup franc de Papin, très lointain, mais qui passe nettement au-dessus. Et Diallo à la toute dernière minute qui déborde, qui fait un petit festival. Il centre pour Alofs de la tête, mais ça finit dans les gants de Desrousseaux. Score final 2-1. Marseille respire et Tours malheureusement se dirige de plus en plus vers la seconde division. Auxerre, Paris Saint-Germain, match très important pour le PSG qui au coup d'envoi de ce match est 4e avec 49 points mais qui a le même nombre de points que Nantes 5e et un petit point d'avance sur Montpellier. Autant dire que il faut absolument s'imposer à Auxerre et on va le voir à début de match, Tony Truand des Bourguignons, Lantier qui va centrer tête de Cantona et ça fait 1-0 mais ce but sera refusé pour une position de hors-jeu, pas évidente à l'œil nu. On va revoir, l'attaquant auxerrois était bien hors-jeu, ça ne joue pas à grand chose mais voilà. Le PSG qui a eu chaud sur ce coup-là, un PSG qui a eu du mal à rentrer dans la rencontre. Mais après un premier quart d'heure un peu compliqué, Paris va se créer une réelle occasion. Hein, d'Alep bien servi par Rocheteau qui va centrer Toko de la tête et qui oblige Bats à s'employer. Ce ballon prenait la direction des buts. Grosse occasion pour le PSG. On va avoir un match très équilibré hier soir entre deux belles équipes qui ont eu chacune des situations. Là c'est Ferreri qui rentre dans la surface, il donne à Zarmak qui frappe. Et c'est bien capté par Dominique Baraté. Juste avant la mi-temps, Tanasi pour Rocheteau. Il est contré. Et mauvaise relance des défenseurs au Serrois. Et Calderon qui se retrouve tout seul face à Joël Bats. Arrêt réflexe du gardien bourguignon. On l'a dit, un match qui va d'un but à l'autre. Très plaisant hier soir ce match à la Baie des Champs. Lucien Denis qui dégage son corps mais s'est récupéré. Suzic, Rocheteau. Il tente sa chance mais c'est détourné et le ballon finira en corner. Corner justement pour Auxerre par Kuperli à la 73e minute. Et Zarmak de la tête et ça passe juste à côté du but de Dominique Baraté. Et on arrive à la dernière minute de jeu et forcément on pense se quitter sur un match nul très très logique car les deux équipes se tenaient vraiment hier soir. Mais regardez, récupération de balle du PSG, Suzic. N'Gom qui était rentré en jeu, Calderon, ouverture lumineuse pour Rocheteau, il l'a vu, il va plus vite que Kuperli et Dominique Rocheteau qui vient offrir un succès très 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 important dans la course à l'Europe puisque le PSG, on va le voir hier soir en s'imposant en serre, réalise l'excellente opération de la soirée. On l'a dit, un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre mais c'est le PSG qui a tiré les marrons du feu. Score final 1-0 pour le PSG qui reste 4e. Et la grosse affiche de cette soirée, elle se déroulait à Nantes, entre Nantes 5e avec 49 points et Montpellier 6e 48 points. Autant dire que si Nantes voulait se débarrasser de Montpellier, il fallait tout simplement s'imposer. Montpellier, lui, en s'imposant à Nantes, pourrait aussi vraiment tirer les marrons du feu. Et on va voir, là, ça va être un match très intéressant. Dès la première minute, Henri Michel qui sert José Touré, il n'est pas hors jeu, il veut lober de Plagne et ça passe juste au-dessus, attention, et Montpellier 1. Ils ont du mal à rentrer dans ce match. Nantes va dominer. Là, c'est Gourouchaga. Il veut centrer. Un ballon qui revient dans la défense montpelliéraine. Mal exploité par les défenseurs. Et Amis qui frappe juste à côté. Adoncor, Gourouchaga. Les Nantais qui essayent d'appuyer. Mais Montpellier très fort en contre. Zambori pour Trossero. Il a le compte favorable. Et Valderrama qui frappe et oblige Bertrand Neumann à s'employer.
Montpellier est dominé, mais Montpellier joue très bien les contres. Les Montpelliérains qui sont très bien regroupés en défense. Coup franc rapidement joué par Touré à la 25e minute. Adoncor pour Touré, encore lui qui est contré. Et Adoncor qui rentre dans la surface, qui frappe, mais c'est bien capté par Deplagne. On le rappelle, un match nul qui serait une très mauvaise opération pour Nantes, qui n'arrangerait pas vraiment Montpellier non plus. Là, c'est Amis aux prises avec Julio César pour William Ayache. Match très rythmé hier soir à la Beaujoire. Ali Lodzic bien rentré, il va plus vite que Laurent Blanc, il frappe. Mais ce n'est pas assez fort et Deplagne s'empare du ballon. Des Nantais qui ont vraiment dominé ce match, mais malheureusement, qui ont manqué de percussion. Du côté montpelliérain, on continue à jouer en contre. Trocero servi par Ferraoui pour Toroxic qui est fauché. Bon coup franc pour Montpellier. Tiré par Carlos Valderrama. Mais c'est dans les gants de Jean-Paul Bertrandemann. C'était cadré. Nantes aura aussi un coup franc. Amis oblige Laurent Blanc à sortir ce ballon en corner. Les minutes passent. Nantes n'y arrive pas. Pourtant, les Nantais ont tout tenté hier soir. Mais les Montpelliérains étaient vraiment très très bien regroupés. Ali Lodzic qui va plus vite que Blanc. Mais Deplagne s'interpose. Et ensuite, Adoncor qui met ce ballon juste au-dessus. Montpellier qui tient. Et Nantes, malheureusement, qui est tenu en échec. Ali Lodzic encore pour Touré. Le décalage est fait. Et là, peut-être il tergiverse un peu trop. Il veut frapper. Et Deplagne qui s'interpose. Le gardien montpelliérain a été excellent hier soir. Du côté montpelliérain, on continue de jouer en contre. Trocero pour Bernardet qui tentera sa chance en fin de match. Ça aurait pu faire mal. Mais on va en rester là. Score final 0-0. On leur a compris un résultat qui n'arrange personne. Voilà, voici l'ensemble des résultats de cette 39e journée. Marseille-Tours 2-1. Lille s'impose 2-0 face à Toulouse. Succès très important dans l'optique du maintien. Laval fait de même en battant Toulon 3-1. Un succès là aussi très très important. Lens-Strasbourg 1-1. Brest bat Saint-Etienne 1-0 là aussi. On va le voir au classement, les Brestois qui avaient vraiment besoin de points. Bordeaux-Sochaux 2-0. Bastia qui fait l'excellente opération de la soirée lui aussi. Le PSG qui s'impose à Auxerre, on l'a vu, 1-0. Nancy lui aussi mal classé, qui bat Nice 1-0. Monaco s'impose à Metz 1-0. Et Nantes, Montpellier 0-0. Alors ce qu'il faut noter dans cette soirée, c'est que tous les mal classés ont gagné pratiquement. Et vous allez voir que la course au maintien reste de plus en plus indécise. Au niveau du classement, Monaco reste leader avec 58 points. 2 points d'avance sur Bordeaux, 56 points. 3e Marseille, 52 points. 4e, le PSG, 51 points, qui fait l'excellente opération de la soirée. Le PSG est seul 4e désormais, avec un point d'avance sur Nantes, 50 points, et 2 sur Montpellier, 6e, avec 49 points. 7e, Racing Paris, 46 points. 8e, Toulouse, 43 points. 9e, Saint-Etienne, 40 points. 10e, Metz, 39 points. 11e, Auxerre, 38 points. 12e, Sochaux, 36 points. 13e, Lens, 35 points. 14e, Nice, 33 points. 15e, Brest, 31 points, qui s'est imposé. 16e, Strasbourg, 31 points, avec Bastia, 17e, 31 points. 18e, Lille, avec 30 points. Et attention, Toulon, le grand perdant de la soirée, qui se retrouve 19e avec 29 points, à égalité de points avec Laval, qui est pour l'instant barragiste avec 29 points. Nancy, avant-dernier, avec 28 points. Et Tours, lanterne rouge, avec 23 points. Tours, qui est à 6 points. Du barragiste Laval, il reste 3 journées, autant dire que malheureusement, alors mathématiquement, les Tourangeaux ne sont pas encore relégués, mais malheureusement, il se pourrait bien que dès la prochaine journée, les Tourangeaux soient relégués en Division 2. Alors pour faire un point sur le maintien en première division, on va dire que Nice s'est donné de l'air, mais à partir de Brest, 15e, jusqu'à Nancy, il n'y a que 3 points qui se jouent. Une fin de championnat qui reste très très indécise dans l'optique du maintien. Et attention à Toulon qui se retrouve vraiment aux portes des barrages désormais. Voilà, on l'a vu, un classement très très indécis, que ce soit en haut ou en bas de tableau. En tout cas, il reste 3 journées de championnat et nous suivrons ça avec attention. Alors maintenant, nous allons parler de la Division 2 avec les pré-barrages. Comme vous l'avez vu dans le récent numéro de Téléfoot, Le Havre était allé s'imposer à Nîmes, ça avait été un peu une surprise. Et Rennes, lui, avait logiquement écarté l'AS Cannes. Et donc, Rennes et Le Havre, deux pensionnaires du groupe A qui se retrouvaient cette fois-ci sur un match qui aura lieu sur aller-retour. C'était le match aller hier soir à Rennes.
et nous allons suivre donc ce qu'il s'est passé hier soir entre Rennes et Le Havre. Rennes-Le Havre, hein, deux pensionnaires du groupe A qui se connaissent bien. Et une statistique en faveur des Rennais puisque cette saison, Le Havre n'a jamais battu Rennes. Il y avait eu match aller, match nul à l'aller à Jules Deschazeaux et Rennes s'était imposé ici pour le compte de la dernière journée. Mais un peu à la surprise générale, ce sont les Havrais qui vont dominer cette première mi-temps. Là, c'est une frappe de Vizek sans danger pour l'instant, mais pas d'occasion du côté des Rennais. C'est un peu une surprise. Et à la 20e minute de jeu, Velichkov qui joue en retrait avec Vizek, encore lui qui frappe, et cette fois-ci c'était cadré. Et Bourges doit s'interposer. Une première mi-temps à l'avantage des visiteurs, c'est une surprise. Mais en seconde période, les Rennais vont se réveiller, il était temps car on commençait à se poser des questions. Et là c'est Morin, il n'a pas de soutien, alors il temporise et finalement il centre pour Guy Lacombe qui frappe. Et ça touche le poteau de Casanova, ce sera le début d'une longue domination rennaise en seconde période qui va vraiment se produire. Puisque Mazur, juste avant l'heure de jeu, va plus vite que Cyprien, il vient trouver les gants du gardien havrais Alain Casanova. Deuxième mi-temps complètement à l'avantage des Rennais. Bousdira qui est contré une première fois par Rombi mais qui perd le ballon de manière inexplicable. Vézir de la tête pour Mazur. Et Casanova s'interpose. L'équipe du Havre qui commence à souffrir de plus en plus. Là c'est Dominique Marais qui joue avec Vézir. Redonné à Vézir qui avait servi Bousdira. Il va centrer et là ça ne trouve personne. C'était très dangereux. Et Guy Lacombe au second poteau qui ensuite est contré. Corner pour Rennes. La pression est de plus en plus forte et un corner qui va être fatal pour les Havrais. Ils vont finir par craquer à un quart d'heure de la fin. Corner distillé par Lacombe et Mazur un peu tout seul, complètement oublié par les défenseurs Havrais qui ouvrent le score. 1-0. Les Rennais qui ont joué une mi-temps dans cette rencontre. Et le Havre malheureusement en seconde période qui a vraiment baissé de pied. Vizir à 8 minutes de la fin, les Rennais qui serrent la Bousdira qui veulent vraiment inscrire un second but pour se mettre à l'abri. Bousdira qui la subtilise le ballon à Rombi, il centre et encore Casanova qui doit s'employer. On va en rester là, score final 1-0, maigre avantage pour Rennes qui devra défendre ses chances donc à Jules Deschazeaux dans 15 jours. Voilà, ça reste indécis pour le match retour, hein, on le rappelle, match retour qui se jouera au Havre et le vainqueur de cette double confrontation rencontrera le barragiste de Division 1. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Téléfoot. Un championnat qui reste très passionnant à 3 journées de la fin. Je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro. Bonne semaine à tous, au revoir.